Bon, là on part de chez Plaine, comme vous pouvez le constater. Les Mendes. Ben vous aussi, les Mendes, pour ça je te le donne. J'en veux pas. Bon, vas-tu faire ce que tu as? Oui, je t'ai dit non, j'en voulais pas. C'est de la manière de le dire, hein? Non. À l'arbitre, comme tu as fait. Oui. Habitué. Oui, c'est pas changé. Oui. Après une marche, il faut que tu boives. C'est non. Important, moi, il n'y a pas de médecin moi. Qui te le dit. Je ne peux pas faire demander ça à personne. Moi. C'est vrai, elle marche la moustrice. Tu pensais pas qu'on était à pouvoir venir demain, hein? Tu vois tes plans, hein? Je les défends, tes plans. Oh. Tu t'irais ta plan, moi. Oh. La bonheur, la bonheur. La Stop. Faut que tu tournes. Tu peux pas descendre par là. Je le sais. Ah. Je voulais faire la chaleur. Musée. En tout cas, c'est tout nouveau, ce coin-là, en fait. Mais ça, c'est l'hiver, ils font la ils font le carnaval, c'est l'hiver, c'est pour ça que c'est comme ça. Sur les plaines à Québec. Québec en ville. Yes, sir. C'est très beau les plaines. Ah, formidable. D'une fois à l'autre, tu t'aimes pas d'aller sur les plaines. Non, maman. Puis ici, tu as dit que ça allait baiser les culs, c'est là. Oui, à mon avis. Si les gens pouvaient parler. Le soir, ils sont tous parqués à côté de l'autre. C'est pas en avant de l'autre. Je pense qu'on peut sortir ici. Bon, tu utilises des flèches. Hein? Des flèches. Alors, tu vois, une pancarte rouge, je ne peux pas rentrer. Non, on ne peut pas rentrer. Il faut rentrer à l'autre bout là-bas, là. L'autre bord du musée.
10, puis on est capable de sortir 7. Tu peux sortir des deux bords, donc t'as deux flèches. On va sortir ça, on va sortir au côté du musée. Ça, je venais souvent avec mon mère Pepe, puis on emmenait un livre. Pepe, mon mère s'en reposait, il aimait ça. Moi, j'emmenais mon livre. Quand t'étendais, quand tu travaillais, t'avais besoin de détendre. Le rond qui était là avant, il n'est plus là. C'est pas là, le fameux rond. Il était là, quel rond? Quand on se parquait, puis il y avait un genre de demi-tour, c'est un rond, puis tout le monde arrêtait. Puis, tu m'écoutes pas quand je te parle, hein? Je me dis là-bas, mais je l'ai pas vu. Je dis là-bas, là, parce qu'on a coupé là, avant le temps. Ah, parce qu'on vient d'aller par là. On a coupé avant le temps, je te dis. Mmh. La nouvelle bibliothèque. Ça, c'est le musée, ça, ici. Ça, c'est l'ancienne prison. Il y a la construction, tout ça. Yeah. Des tours par quartier. Des tours quartier. Ça veut dire que tu prends un quartier par là. Des tours. Seulement il la ferme aux automobiles. Non, non, mais là, ils n'ont pas le choix, si. Ouais. Elle est belle, là, le quartier, pareil. Ils ont beaucoup d'affaires. Il est quoi là? Il est 1h30? Là, il est-tu 2h-20? Puis un chiffron, peux-tu dire 1h30? Ben, il passe, je fais un chiffron, mais moins con. Non, parce que pour la caméra, ça fait combien de temps qu'on filme avec? Là, on a arrêté, t'es à midi. Puis tu l'as arrêté un petit bout? Non, là, à midi, on arrête à midi. Oui. Bon. C'est ça, tu l'arrêtais un bout. Ce qui veut dire qu'on l'arrêtait 1h30. C'est ça. Puis depuis un matin, il fait combien de temps qu'elle marche? On partait à 10h. À 8h? Hmm? Non, on partait à 10h. 9h30. 9h30, oui. 9h30 à midi. 9h30 à midi et demi, ça fait 3h. Bon. Il y en a encore pour 4h au moins. Non, je ne prendrai pas de chance. À 6h, je vais changer. On va changer ma carte. Quartier, elle descend plus bas, en bas jusqu'à chez nous. Non, elle va pas jusqu'en bas, elle. Oui, elle va jusqu'en bas. Hein? Elle va sur le chemin Sainte-Foy, en bas. Ah oui, mais c'est ça, le chemin Sainte-Foy. La
côte, là, la côte qui descend en bas. Là. J'ai déjà été dans le col du choix, là. Hein? Le Ferro. Je pense que c'est à ma gauche, hein? Oui, tu peux descendre à droite comme à gauche. Non, je pense que c'est à gauche qu'allait la côte. Ah, ok, je pense à la gauche. Et la grande côte à pic, là, c'est à droite. Là. Tu penses? Oui, yes. Parce que je montais par la côte pour venir à l'école. Je voulais faire un perro le soir. Ouais. C'était pas un peu de la côte à Caduc, là. La grande côte vers chez nous. Ce qui était pique dedans. La côte salabrée, là, on peut dire. C'est ça le nom que je cherche. Ici, avant, il y avait un théâtre. Un petit peu plus loin, quartier. Ok, bébé, si tu tournes, prends-le. Si tu tournes pas, reste-le. Il était là, le théâtre, le quartier. Tu descends là. T'es ici, le théâtre, le quartier. À la place du parking, ça, c'est à la verrie, c'est l'île de la côte que je tape après. Oui, ça, je l'ai travaillé ici, je l'ai viré ici. Regarde, les petites écureuils. Moi, j'en ai pris souvent sa maudite côte-là, parce que je restais juste en bas de la côte, m'emmener à pied. Je l'ai travaillé à pied, à Saint-Jean, l'autre bout. Tu voulais le faire, hein? T'es en forme, aussi. J'étais pas grosse, moi. J'en ai marché un coup, j'ai été fils. Oui, beau lait. Oh oui. Travaillé dur, Marie, pas oui, peur de bon le dire. Oui, beau lait. Oh, j'étais allé qu'à t'en crier en arrière de la terre. Quand j'ai pris mon cours de conduite, la bâtisse était là. Avant, c'était pas des immeubles, c'était une bâtisse de ça. Puis il m'a fait monter puis descendre la course élaborée plusieurs fois. Parce qu'il y a une côte dangereuse, hein, surtout l'hiver, puis ça. J'ai pas eu de problème de descendre. Il était tout surpris. Oui, bon, ben, il est descendu. Quand t'es jeune, plus jeune, t'es plus brave. Ah, j'ai pris mon cours de conduite juste là dans ce bord ici. J'ai mal, moi je montais ici avec mon petit stock. Puis... ici, il y avait un beau parc, regarde, c'est une grosse bâtisse à ce temps. Il y avait un beau parc Saint-Mathieu, là. Yes. On s'en venait jouer ici, les jeunes. Yes, boulé. Ah mon Dieu, que c'est changé. Puis quand je m'emmenais à pied, là, je descendais par l'escalier ici, par en bas, j'étais chez nous. C'est ça. Moi, je montais ici, parce que moi, mes gars montaient par ici, puis venaient chercher. Moi, je descendais ici. En bas, il y a juste une petite grotte à moitié ici, la moitié du chemin, il y a une grotte. Puis je restais pas loin ici, en bas. Tu restais là, toi, c'est ça. C'est ça. Je suis resté à bouler. Tu le savais, tu sais, je restais à bouler. Juste sur le coin, c'était une belle boucherie, boucherie d'Inel qui était là. Ici, c'était vers Lavaumette. Puis ici, c'était Monsieur d'Auteuil, l'épicerie. Puis Georgette a resté ce côté-là, une petite secousse. Les morfleurs, ben c'est ça. Oui, les morfleurs. Ah! Les jeunes à Georgette, quand ils étaient jeunes, une école au bord de la rue. Des jeunes étaient là. Oui, puis tu as le royaume de la patate dans le coin là-bas. Oui. Mon Dieu, c'était long, fou. Des vieilles affaires, mais ça, il y a ce fou. Je sais pas si j'ai les cheveux, mais essayer de l'appeler pour aller porter ses choses. À midi, là? C'est quoi son numéro, Gilles? Je sais-tu, moi, Gilles, c'est quoi son numéro? Bon, lui, comment le nom agile? Je connais le numéro de chez nous, mais pas ton chez vous. Le seul que je connais chez vous, c'est Ginette, 4005. Mais Gilles, je sais pas. Tu l'as pas écrit, là? Je l'ai, mais ta maison, je l'ai pas amené. Parce que je l'ai déboursé un peu d'affaires, débarrassé un peu d'affaires, puis là, je l'ai pas souvent. J'ai quasiment le temps de la regarder avant que la lumière change. Sûrement. Je l'ai mis dedans.
Gilles Tanguay. Ben là, ça sent bien, ça fait la tendance. Parquet ici, tu vois. Ouais, partout ici, tu le vois, là. Demain, tu lui auras pas ça. Non, c'est bon. Bon, les vieux vont venir ici, ça t'en a pas. Monsieur Gilles. Oui. T'es chez vous, je m'en vais chez vous. Je suis boulevard Sorel, t'en vas-tu à quelque part? Non. OK, parce que je montais, je m'en allais à Saint-Anne, moi là, mais je vais arrêter de porter tes affaires avant. OK. OK, salut. Hey. On va y aller. Tu veux, hein? Tout. Je vais te... Je vais te passer. Je vais aller porter tant qu'elle prenait ça avec nous autres. T'as pas pensé à ça, toi, hein? Je pensais que t'allais à Saint-Onde avant pour aller sur Gilles, la vraie. Non. Attention. Je t'ai dit que je sais pas ce que j'allais, moi. Oui, bien sûr. Fais pas bowler, moi, si tu sais. Ah, bowler, ils sont plus organisés ouais. Que targués. T'es tendu. Les là, par contre, capitale. On pourrait peut-être élever notre chose si on fait marcher la climatisée. Ben oui, on peut relever la vie, tu vois. C'est ça, t'as tout compris. Je sais pas pourquoi t'avais baissé la vitre. Parce que ça prenait de la bonne air fraîche. Oh, mais j'avais l'air climatisé, t'aurais dû fermer l'air climatisé avant. Hey, je t'ai dit, toi. Ah, maman a travaillé ici. Dominion Cossette, il y en a un esti de taquin qui ont travaillé là. Ouais, maman a travaillé ici. Avec le frère, la chanteuse, là, Alice Roby. Ils se sont fait travailler ici. Puis une des sœurs, à un moment, travaillait là. Qui a pas de ça? Ah, oh, Madame Bledot, elle travaillait là, elle aussi. Alors, panneau à l'essai. Bienvenue à Québec. Alors, c'est écrit, puis c'est à l'angle. Panneau à l'essai. Bienvenue à Québec.